sa maison pourrait être saisie. Alors qu'il est toujours assigné à résidence à l'hôpital et endetté, Pierre Palmade est visé par les créanciers. En effet, selon les informations exclusives de Closer à retrouver en kiosque vendredi 7 avril, l'histoire est mise sous pression. Il a 3 mois pour rembourser ses dettes. Passé ce délai, ils feront saisir sa propriété de ses lits en bière. Un nouveau coup de massue donc pour l'homme de 55 ans qui a causé un terrible accident le 10 février 2023. Selon les dires de sa sœur qui s'est confiée au policier chargé de l'enquête, Pierre Palmade doit 250 000 euros. Une dette importante contractée, selon Le Point, auprès de l'URSSAF, de l'impôt et son producteur qu'il ne peut apparemment pas rembourser. En effet, s'il continue à percevoir 5000 euros par mois, principalement grâce à ses droits d'auteur, Pierre Palmade n'a plus aucune source de revenus depuis qu'il a été assigné à résidence dans un hôpital de la région parisienne en raison de son placement sous contrôle judiciaire. Ses créanciers, eux, s'impatientent et misent donc sur la mise en vente de sa propriété de ses lits en bière, située en Seine-et-Marne, pour récupérer leur dû. Achetée en 2017, la demeure de 430 mètres carrés avait été mise sur le marché avant le drame qui a tout bouleversé. Théâtre de séance de chemsex, elle a été cambriolée le 13 février avant d'être placée sous scellé. À découvrir supérieur à Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée mise en vente plus d'un million d'euros? Photo, selon nos informations, la vente de la maison a été suspendue car les agents immobiliers recevaient des appels curieux. Hélène, la sœur de Pierre Palmade qui s'était donnée pour mission de régler ce problème, n'a donc pas la tâche facile. Les créanciers de l'humoriste né ne peuvent cependant plus d'attendre. Il ne lui laisse plus que 3 mois pour régler sa dette. Autrement, le bien dont il était tombé amoureux sera saisi. On m'avait dit qu'une maison c'était une rencontre, la mienne si est ici. Avait-il confié aux Parisiens. Dans tous les cas, Pierre Palmade va devoir lui dire adieu. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 7 avril 2023 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag. À propos de l'auteur ultra curieuse, je me suis toujours passionné pour la vie des people. Télévore, je suis incollable sur la télé-réalité. J'aimais aussi le cinéma et l'astrologie. Un jour, je serai Miss France. Ces derniers articles et j'ai fait le con pendant 4-5 mois, Florent Pagny se livre sans tabou sur sa rechute. Shakira quitte Barcelone en larmes avec ses enfants, elle dit définitivement adieu à sa vie d'avant. Chana Kress et Jonathan Matija, ce tête-à-tête coquin pour maintenir leur couple à flot.